Depuis bientôt deux siècles, nous vivons dans un monde peuplé de machines. Elles sont formidables. Dociles et résistantes, jour et nuit, elles travaillent pour nous. Mais il faut des femmes et des hommes pour les faire tourner. Et ils ne sont pas faits du même métal. Toute l'histoire ouvrière est traversée par cette cohabitation malaisée entre les mécaniques et les vivants. La lutte entre ceux qui veulent faire des ouvriers des rouages parfaitement intégrés à l'outil de production et ces rouages humains qui essaient tant bien que mal de sauver un peu de leur intégrité physique et mentale. Avec le sang des autres, un film de Bruno Muel, tourné en 1974. Un ouvrier de l'usine Peugeot de Sochaux parle en voix off du travail à la chaîne. Je suis rentré à 18 ans chez Peugeot en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à appliquer les doigts. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. Il s'appelle Christian Corrouge. Il a travaillé chez Peugeot toute sa vie. C'est terrible, les souvenirs qu'ont les familles du travail en chaîne. Pourtant, les pères n'ont jamais raconté. Rares sont les enfants. Moi, beaucoup circulé, beaucoup fait les écoles. Et quand j'interrogeais les gamins sur la profession de leurs parents, ils travaillaient chez Peugeot. Mais oui, mais où ? Alors là, c'est déjà l'ignorance. Et il fait quoi ? Il raconte comment ? Il raconte pas. C'est ça la chaîne aussi, de pas raconter parce qu'il n'y a rien à raconter. C'est pas un boulot noble, c'est pas un boulot valorisant. T'as pas envie de dire à ton fils ou à ta fille que t'as serré des boulons, que tu te demandes à quoi ça sert pendant toute une journée. Il n'y a rien à en dire. Et c'est ça le problème de la chaîne, c'est qu'à un moment donné... Ça t'abîme le corps, ça t'abîme le cerveau, tu le sais, t'es conscient, et t'es pas capable de le transmettre à quelqu'un, parce qu'il y a pratiquement rien de transmissible là-dedans, il y a rien, c'est tellement pas valorisant, tu vas pas dire je vais laisser une trace. Quand t'es tourneur à l'usine, tu peux faire une quille quand tu t'en vas en retraite. Mais quand t'es en chaîne, qu'est-ce que tu vas montrer ? Qu'est-ce que tu vas ramener de la boîte ? Une poignée de vis pourrie ? Un poste punition ? T'as pas envie d'en parler ? Et à part tes douleurs, tu transmets rien. Christian Corrouge a quand même rapporté quelque chose de sa vie à la chaîne. La pince avec laquelle il a graffé les garnitures des sièges. Pour moi, c'est des tortures qui hantent encore mes nuits maintenant, je veux dire, cette pince. Voilà. Mais pourtant, tu l'as gardée. Ah, je l'ai gardée parce que je trouve toujours intéressant de garder un souvenir de ce qui t'a fait mal. La bourgeoisie a un autre rapport à la mémoire et à la transmission, comme en témoignent les tombes grandiloquentes de Nécropolis, la cité des morts, le cimetière de la bonne société de Glasgow. À l'entrée du cimetière, parmi les statues des grands hommes de la ville, figure celle de James White, baron d'Overtown, propriétaire de la plus grande usine chimique du pays. En 1899, un journal travailliste publie une enquête sur les conditions de travail dans cette usine. Si toxique qu'on appelait ses ouvriers les cadavres de White. Arthur MacIvor, historien. J'aimerais pouvoir décrire précisément une journée de travail pour que mes lecteurs prennent conscience de ces horreurs. Les hommes de l'équipe de jour commencent le travail à 6 heures du matin. Toute la journée, ils respirent les vapeurs et les fumées des produits chimiques qui rongent le cartilage de leur nez et empoisonnent leur sang.
à tel point que les estomacs ne supportent plus que certains aliments. Certains ouvriers voient même des fragments de cartilage se détacher quand ils se mouchent. Parmi les ouvriers examinés dans l'usine de White, pas un seul ne présente un cartilage intact. Leurs parois nasales sont perforées à cause des vapeurs de chrome. La plupart d'entre eux pourraient faire passer un crayon à papier à travers leur nez, de part et d'autre. Certains ouvriers ont même dit qu'ils payaient des collègues pour mastiquer leur nourriture à leur place. Malheureusement, nous savons peu de choses des conséquences qu'avaient ces conditions de travail sur la vie de ces ouvriers. Certains ont perdu leur emploi et sont tombés sous le coup de la loi sur la pauvreté. D'autres ont dû aller vivre à la charge de leur famille, infirmes et mutilés pour le restant de leurs jours. À la fin du 19e siècle, on commence à prendre conscience de l'ampleur et du coût des accidents et des maladies du travail, considérées jusque-là comme une fatalité, dont seule la Vierge ou un saint pouvait protéger l'ouvrier malchanceux. La prévention par la foi, comme dans ces étonnants ex voto italiens. Les accidents les plus spectaculaires sont les explosions dans la mine de charbon qui font à chaque fois des centaines de victimes. Mais les accidents industriels dont on fait pour la première fois un décompte statistique font aussi des dizaines de milliers de victimes chaque année. L'Allemagne et la France votent alors les premières lois de protection sociale. Aux patrons récalcitrants, on oppose un argument imparable. Il faut protéger le corps des ouvriers, car ils sont du capital, au même titre que les machines. Au milieu du 19e siècle, la machine à vapeur devient un modèle. En l'observant, les savants réalisent qu'elle ne produit de l'énergie qu'en en consommant tout autant. Ils en déduisent la première loi de la thermodynamique, qu'on applique ensuite au corps de l'ouvrier, considéré lui aussi comme une sorte de machine qu'il faut nourrir et entretenir, et rebaptiser moteur humain. La découverte a des conséquences inattendues. L'Américain Atwater met au point des appareils pour mesurer la dépense des corps en calories, la base de tous les régimes amaigrissants modernes. Calories dépensées pour respirer, pour pédaler, pour laver le linge, pour repasser. Ces mesures permettent de calculer les calories strictement nécessaires pour faire marcher la machine humaine au moindre coût et proposer menus et recettes aux ménages ouvriers tchèques, allemands ou anglais, dans des livres de cuisine rédigés tout exprès pour eux. Encore plus révolutionnaire, la découverte de la fatigue, considérée jusqu'au milieu du 19e siècle comme une tare morale due à la paresse ou au manque de volonté de l'ouvrier. À partir de 1880, de nouveaux appareils de mesure permettent d'évaluer en laboratoire le nombre de tractions au-delà desquelles le moteur humain n'en peut tout simplement plus. Une autre approche novatrice, celle de Frémont, un assistant de Marais, qui applique l'analyse photographique du mouvement aux gestes du travail de façon à calculer la trajectoire optimale du marteau et des mains. Joseph Pontus, ouvrier intérimaire de l'agroalimentaire. En fait, le geste efficace, c'est pas forcément le geste spectaculaire. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, c'est un truc tout bête, c'est décartonner des cartons, c'est-à-dire faire en sorte qu'une fois que le carton est ouvert, il soit ensuite plié pour aller sur la pile de cartons dépliés. On a un cutter, le carton est scotché sur le fond, et au départ,
on tâtonne, on fait plein de trucs en essayant de tourner le carton dans tous les sens. Et au bout de, allez, 6 heures de travail, on se rend compte qu'il suffit juste de faire tac, 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 pof, prendre le carton et le déplier ici. Et donc là, on a trouvé le geste juste, le geste efficace. Et on peut prendre un petit peu d'avance. Et dans ce temps-là, tac, 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 ça devient bon. La pensée, elle peut se libérer, elle est plus conditionnée par le geste à faire, parce que le geste a été trouvé. Donc ça peut être sur des cartons, ça peut être sur couper une queue de vache et remettre un carré pour accrocher le carré de vache à la place où il y avait la queue. Ça peut être sur tous les gestes que pousser des carcasses. Quand on a compris que pour prendre des virages, il valait mieux pousser avec le dos comme ça et les mains, parce que le poids est moins dur. En fait, il faut trouver partout le geste de production le plus simple, celui qui contraindra le moins le corps. Et généralement, le plus simple, c'est le plus efficace. Et à partir de ce moment-là, on gagne du temps et on peut penser à autre chose qu'à dire quel est le geste le plus efficace que je vais pouvoir trouver. Pour étudier les gestes des travailleurs, l'Américain Gilbreth, qui utilise aussi bien la photographie que le cinéma, a l'idée d'attacher aux mains des ampoules électriques. Insensible à la poésie des tracés, il en tire des conclusions pratiques destinées à améliorer la productivité. Plutôt que ça, il vaut mieux faire ça. C'est plus efficace et plus rapide, comme le montre l'horloge spécialement conçue par l'inventeur, qui figure en bonne place dans tous les plans destinés à vendre aux industriels la méthode Gilbreth. Gilbreth, comme Frémont, cherche à optimiser les gestes du travailleur. Encore faut-il plier les corps à cette nouvelle discipline. C'est le rôle de la gymnastique ouvrière, encouragée à la fin du 19e siècle, à la fois comme un exercice sain et un entraînement au travail, à mi-chemin entre hygiénisme et productivisme. La voici pratiquée par les mineurs du Donbass à la fin des années 20 et filmée par le cinéaste Dziga Vertov. Voici un entretien avec Tommy Coulter, un mineur écossais qui a travaillé dans la mine à partir de 1943. L'entretien date de 2005. Ici, il parle d'abord des maladies liées à la mine, puis de la façon dont le travail favorisait ces problèmes. You would just see him at the corner coughing and spitting. You felt sorry for them and you knew it wouldn't happen to you. Just like soldiers getting killed, somebody else. There was a very strong bond of sympathy, which wasn't expressed. He didn't say, oh, I'm sorry to see, you know, hey, you young old cheeky bastard, what's wrong with you? That's how we spoke. That meant, hello, friend, how are you? Because I don't think there'd be any worse than knowing you were ill and somebody commiserating with you. We weren't that kind of people. We were the elite. And when you went to work in the coal face, we were strong lads. You had to be. We were hardy buggers, and we thought we were... It's just, I dare say something like soldiers. Ce qui transparaît dans les témoignages de ces hommes, que ce soit dans l'industrie lourde, les mines de charbon, les chantiers navals, la sidérurgie, c'est qu'on doit refouler ses émotions, qu'on ne pleure jamais, qu'on n'exprime jamais de vrais sentiments. Peut-être était-ce différent dans la réalité, mais ce qu'on entend dans ces récits, ce sont des émotions refoulées.
Je pense que c'était inhérent à l'identité masculine de la classe ouvrière traditionnelle durant tout le XXe siècle. Et peut-être plus encore dans des endroits comme Clydeside, où cette culture de l'homme viril est très fortement ancrée. Cela a fait des ravages sur les corps. Ces hommes prenaient des risques insensés qui faisaient partie intégrante de la façon dont un homme devait se comporter. Même si, bien sûr, les vrais coupables étaient les employeurs, qui étaient responsables des conditions de travail auxquelles les mineurs étaient confrontés. Mais il y avait aussi cette sorte de culture du travail machiste qui rendait difficile le fait de ne pas prendre de risques. Et souvent, les mineurs ne se protégeaient pas autant qu'ils auraient dû en mettant leur masque, leur casque, et en utilisant des respirateurs dans les galeries. Et c'est assez ironique de voir qu'en fin de compte, ces hommes ont esquinté leur corps à la fois à cause de la pression de leur hiérarchie, mais aussi à cause de celle de leurs compagnons mineurs qui les incitaient à se comporter comme de vrais hommes. Les femmes semblent absentes de ce monde du travail. Elles sont pourtant là depuis le début, dans les filatures et dans les mines. Sous-payées, les premières à être envoyées en temps de crise et reléguées à des tâches subalternes aussi bien par les entreprises que par leurs compagnons. L'accès aux métiers nobles, comme la typographie par exemple, leur est interdit par les ouvriers eux-mêmes, pour qui féminisation signifie dévalorisation. Vers la fin du XIXe siècle, des ouvrières apparaissent sur le devant de la scène, grâce à quelques actions qui frappent l'opinion publique, comme celle des 1400 allumettières de Londres, qui font grève pour avoir le droit de s'adresser à la direction sans passer par les contremaîtres hommes, et pour une cantine isolée des ateliers, de façon à ce que leur nourriture ne soit plus contaminée par le phosphore. De même, en Italie, à Terni, la première grande grève en 1880 ne fut pas menée par les ouvriers de la scierie, mais par les 1300 ouvrières de la filature Santorini, connues pour cette chanson et pour leur combativité. Au début du XXe siècle, elles multipliaient les grèves sauvages et les actions violentes, au grand désespoir des dirigeants du syndicat socialiste. Alessandro Portelli, historien. On leur reprochait toujours d'être indisciplinés et de ne pas connaître la doctrine. Et les femmes répondaient, pourquoi vous ne nous l'enseignez pas la doctrine? Pourquoi vous la gardez pour vous? Et puis, il y avait aussi l'idée que les femmes qui participaient à ce genre de choses, comment dire, il y a dans la chanson une chose extraordinaire. Si nous faisons l'amour, c'est pour nous amuser. C'est-à-dire que ces femmes avaient une liberté sexuelle qui faisait vraiment très peur. Disons qu'elles faisaient peur aux dirigeants syndicaux qui étaient en quête de respectabilité. Ce sont encore des femmes qui prennent la tête des cortèges de Fresneville dans la Somme pendant une grève des ouvriers de l'usine de serrurerie Riquet. N'ayant pas de drapeau rouge, elles brandissent un drapeau tricolore roulé de telle façon que seul le rouge apparaît. Drapeau tricolore, drapeau rouge. La lutte des symboles. Le drapeau tricolore incarne la République, mais aussi le patriotisme, devenu alors une véritable religion d'État. Le drapeau rouge, c'est la révolte ouvrière, mais c'est aussi l'identité de classe qui ne connaît pas de frontières. C'est le drapeau de l'Internationale des travailleurs et de son slogan « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». À côté de ces deux grands, le drapeau noir des anarchistes, minoritaire, mais très actif.
Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. Le drapeau noir, arboré en 1906 par un petit syndicat que l'on retrouve dans la plupart de ses luttes, la Confédération Générale du Travail, la CGT, alors anarchiste et révolutionnaire, qui milite de façon pragmatique pour les 8 heures, tout en rêvant de renverser tout le système grâce à une nouvelle arme, la grève générale. Marion Fontaine, historienne. La grève générale, c'est l'idée qu'à un moment donné, l'ensemble des ouvriers ou des travailleurs du pays s'arrêtent de travailler, bloquent de ce fait le système et font imploser ou exploser le système. C'est l'idée qu'une action radicale d'arrêt du prolétariat permettra de renverser le système. Cette idée, elle s'impose aussi sur la base des échecs antérieurs. C'est-à-dire que la stratégie de la grève générale, c'est aussi une stratégie qui se développe sur la base du constat qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. L'insurrection armée. La Commune a démontré que dans le cadre d'une insurrection armée, bah, de toute façon, dans ces cas-là, la force revenait à l'armée de la bourgeoisie, si je reprends les termes de l'époque. C'est aussi une insatisfaction devant les formes de lutte que propagent les partis ouvriers, comme le parti ouvrier de Jules Guesde, c'est-à-dire à la fois des grèves très sectorielles, mais aussi la lutte électorale et la compétition pour le pouvoir politique. Donc finalement, ce que veulent ces syndicalistes qui sont réunis dans la CGT, c'est ni l'insurrection armée, ni la lutte politique classique des partis marxistes. Ils veulent inventer leur propre forme de lutte qui ne les oblige pas à passer par un quelconque intermédiaire. L'idée, c'est que si le prolétariat fait la grève générale, il n'a besoin ni d'un parti, ni d'une organisation, ni quoi que ce soit. Il suffit, mais tout est évidemment dans le « il suffit », que l'ensemble des prolétaires s'arrête. Et donc, si les mines s'arrêtent, si les usines textiles s'arrêtent, si tout le monde s'arrête, tout le système s'arrête. En attendant la grève générale, on voit en France, au début du XXe siècle, une multiplication de conflits locaux. Illustrés par d'étonnantes cartes postales qui permettent de populariser les luttes et d'en donner une image différente des caricatures de la presse bourgeoise. Ces images posées, d'apparence tranquille, rendent mal compte pourtant de la violence des affrontements. Ici, on entoure un cheval abattu du 21e chasseur, la troupe qui a chargé les grévistes. Confrontés aux grèves, les patrons du début du 20e siècle ne négocient pas. Ils ont recours au lock-out, un terme anglais qui signifie que pour punir les ouvriers, ils ferment l'usine. Les ouvriers ripostent, comme un fougère, pendant le grand lock-out de 1906, en inventant de nouvelles formes de solidarité. Dans un des frigos où on bosse, il y a une toute petite plante qui a poussé. Toute petite plante verte. C'est comme si tu avais un petit renfoncement de mur, là, tout en haut, à 2 mètres de haut. Et tu peux la voir que si tu es dans une certaine position. Le frigo, il est à 3 degrés et la plante verte, elle a poussé comme ça. Alors, je ne sais pas d'où elle est venue sniffer. Par où elle est, machin. Et les gars, ils la regardent avec tendresse, avec amour. Tu sais, ils lui parlent de temps en temps. Moi aussi, je veux dire, ça va la plante et tout. Tu vois. Et il y a un mec qui fait...
Putain, mais la plante, en fait, c'est une warrior, hein, parce que pour arriver à pousser dans un environnement comme ça, faut qu'elle en veille, quoi. Et je les regarde, je dis, mais les gars, c'est nous les warriors. Elle est comme nous, la plante, hein. Voilà, on s'épanouit autant que, qu'une plante verte dans un frigo d'abattoir, quoi. Retour en arrière. C'est en 1871, l'année de la Commune de Paris, que le travail à la chaîne est apparu pour la première fois aux abattoirs de Chicago. Mais pendant les 40 ans qui suivent, le système est ignoré par l'industrie et ne trouve pas d'application en dehors des abattoirs. Pour qu'il arrive enfin à percer, et avec lui toutes les nouvelles techniques de management scientifique, il ne faudra pas moins qu'une autre boucherie industrielle à l'échelle mondiale. La guerre éclate le 28 juillet 1914. La veille encore, les militants ouvriers pensaient pouvoir l'empêcher par la grève générale, au nom de la fraternité des prolétaires, proclamée aussi bien en France qu'en Allemagne. Mais avec une parfaite symétrie, les socialistes allemands et français se rallient à leur gouvernement de guerre respectif au nom de la défense de la patrie, de sa civilisation et de la lutte contre la barbarie de l'autre. Si nous avions lancé un appel à la grève générale, dit un dirigeant cégétiste, la classe ouvrière n'aurait pas laissé aux agents de la force publique le soin de nous fusiller, elle nous aurait fusillés elle-même. Ça donne une réponse à la grande question que se posaient la plupart des militants ouvriers un peu conscients avant 1914, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus fort ? En cas de conflit, est-ce que c'est l'appartenance sociale ou l'appartenance nationale ? La plupart des militants ouvriers savent que la question se pose. Quelqu'un comme Jaurès est obsédé par cette question. 1914 donne la réponse avec la plus effroyable clarté, la plus effroyable brutalité. En cas, et du moins sur le moment, durant l'été 1914, ce qui prime, c'est l'appartenance nationale. Pour le dire autrement, ce qui a gagné, si on prend le cas français mais ailleurs, c'est l'école républicaine, c'est l'armée, c'est 40-50 ans de nationalisation des masses. Ce qui a perdu, c'est la CGT et le Parti Socialiste Unifié. Le couronnement de 150 ans de révolution industrielle et technologique. C'est la première guerre des canons et des machines. L'industrialisation du champ de bataille va de pair avec la militarisation de l'appareil de production. La rationalisation de la production, jusque-là peu répandue en Europe, devient affaire d'État. La victoire sera à qui produira plus vite, plus de munitions, plus d'obus. La participation à l'effort de guerre donne une nouvelle légitimité aux femmes. Embauchées en masse dans les usines d'armement pour faire face à la demande, ainsi qu'aux socialistes et aux syndicats, qui des deux côtés des barbelés se font patriotes et acceptent de jouer le jeu de l'union sacrée. Mais le conflit qui se prolonge crée une brutale dégradation des conditions de travail et des conditions de vie. Dès 1915, les grèves reprennent dans tous les pays belligérants. Non seulement dans les usines, mais aussi dans les quartiers, comme la grande grève des loyers à Glasgow. Pendant que mon père est prisonnier en Allemagne, le propriétaire attaque notre maison. Mais c'est en Allemagne et en Autriche, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles du fait du blocus, qu'éclatent dès 1917 les grèves les plus importantes. On est alors loin de l'enthousiasme d'août 1914. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir.
Que l'on soit syndicaliste, anarcho, socialiste, tout chacun fait son devoir. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'international pour la victoire finale. On la chantera au retour. L'auteur de la chanson, le socialiste français Montéus, avait raison. On chantera bien l'international, mais pas en France. En Russie, où la révolution éclate en 1917 et où un parti qui se réclame du marxisme et du communisme prend le pouvoir en novembre de la même année. Et pour la première fois dans l'histoire, il parvient à le garder. Un an plus tard, pratiquement jour pour jour, alors que les bolcheviks fêtent à Petrograd le premier anniversaire de leur révolution, une autre révolution éclate en Allemagne. Novembre 1918, le pays vient de capituler, l'Empire est renversé, le Parti social-démocrate accède enfin au pouvoir. Stefan Berger, historien. Le Parti social-démocrate allemand, tel qu'il s'est développé avant la Première Guerre mondiale, était, selon les mots de Karl Kautsky, un parti révolutionnaire, mais pas un parti prêt à faire la révolution. Et pourtant, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne connaît une révolution. Tout commence par une mutinerie de marins à Kiel, qui s'étend très rapidement dans toute l'Allemagne, où des comités de marins, de soldats, d'ouvriers prennent le pouvoir au moment où l'Empire allemand s'effondre. C'est une révolution qui part d'en bas et non pas d'en haut. Le Parti social-démocrate allemand s'est divisé pendant la guerre, donnant naissance à deux partis sociaux-démocrates. D'un côté, un parti de droite et de l'autre, un parti de gauche. Ce dernier s'était opposé à la guerre. Son idéologie est plus proche d'une forme radicale du marxisme, alors que les sociaux-démocrates de droite sont plus réformistes. Et en 1918, le pouvoir est remis aux mains des sociaux-démocrates de droite par le dernier gouvernement impérial. Friedrich Ebert, le chef du Parti social-démocrate de droite, se retrouve alors à la tête d'une révolution dont il ne veut pas. Étant devenu chef du gouvernement, à ses yeux, il a déjà conquis le pouvoir d'en haut. Il n'a pas besoin d'une révolution qui viendrait d'en bas. L'équilibre fragile entre les deux fractions socialistes ne dure que deux mois. En janvier 1919, l'extrême gauche, menée par le groupe spartakiste, prend les armes pour poursuivre la révolution sociale. Pour écraser le soulèvement, Ebert fait appel à l'ancienne armée impériale et au corps franc, des bandes d'irréguliers nationalistes d'extrême droite. Les spartakistes sont vaincus. Leurs dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, assassinés. Le même schéma se répétera quelques mois plus tard à Munich, où l'armée et les corps francs liquident une éphémère République des Conseils. Et à nouveau, en 1920, quand ils écrasent la dernière tentative révolutionnaire allemande, celle de l'armée rouge de la Ruhr. Dans le cimetière de Dortmund, une discrète pierre tombale commémore les 2000 morts de l'armée rouge de la Ruhr. Elle date de 1926. En 1933, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, elle a été sauvée de la destruction par des fossoyeurs communistes qui ont eu la bonne idée de l'enterrer en attendant des jours meilleurs. « Nous achèverons ce que vous avez commencé », dit l'inscription encadrée de la faucille et du marteau, les symboles de la révolution bolchevique de 1917, qui est alors le grand point de repère de tous les mouvements révolutionnaires d'Europe. Ce conseil ouvrier anglais, par exemple, s'intitule « Soviet », mais sans aller plus loin. La référence à la révolution russe est surtout symbolique.
Il en va de même à Glasgow, lors de la période d'intense agitation sociale qu'on appelle le Red Clydeside, le Clydeside rouge, et qui atteint son point culminant en janvier 1919. En janvier 1919, à peine quelques mois après la fin de la guerre, il y a eu un rassemblement à George Square, dans le centre de Glasgow. Environ 70 000 personnes se sont regroupées sur la place. On a hissé le drapeau rouge. On manifestait surtout pour la semaine de 47 heures, pour ne plus avoir à commencer le travail à 6 heures du matin. La manifestation a dégénéré et les autorités sont sorties de l'hôtel de ville pour lire le Riot Act. Cette loi anti-émeute a souvent servi au XVIIIe et XIXe siècle pour contenir toutes sortes d'insurrections populaires, à Glasgow et ailleurs. Là, ce fut la dernière fois qu'on a lu le Riot Act au Royaume-Uni. Il n'a jamais été utilisé depuis. Les émeutes ont continué sur la place et dans les rues adjacentes. Des policiers sont agressés, des grévistes matraqués. Puis le gouvernement britannique a repris le contrôle de la situation en faisant venir des chars et des soldats dans les rues de Glasgow. Vu le contexte, on peut comprendre la décision du gouvernement. Ça se passe peu de temps après la révolution bolchévique et les révolutions en Europe. Les autorités britanniques ont peur. Elles redoutent l'éventualité d'un autre soulèvement bolchévique à Glasgow. Pour la plupart des historiens, c'est exagérer le niveau de conscience de classe à Glasgow. De l'avis général, on parlerait plutôt d'un Clydeside rose. Les gens de Glasgow votaient majoritairement à gauche, mais c'était surtout lié à la misère, à la terrible surpopulation de la ville et aux conditions de travail déplorables. Le soutien à une gauche révolutionnaire était relativement faible, relativement insignifiant. De tous les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, seule l'Italie a connu une véritable situation révolutionnaire. En 1920, dans le nord industriel, à Gênes, à Turin et à Milan, les ouvriers occupent les usines sous la protection de gardes rouges en armes. S'inspirant de la révolution russe et de l'expérience des soviets, revue et corrigée par le théoricien marxiste Gramsci, des conseils ouvriers comme celui de l'usine Fiat, que l'on voit ici occupant le bureau du patron Agnelli, prennent le pouvoir dans les entreprises et essayent de relancer la production. Stefano Musso, historien. Selon Gramsci, ces conseils ouvriers auraient dû apprendre à diriger la production en l'absence du capitaliste parasite, en s'alliant éventuellement avec les techniciens. L'idée était que les ouvriers autogéraient la production dans les usines occupées. Cela se faisait dans la mesure du possible en utilisant les réserves de matières premières et de produits semi-finis disponibles dans l'usine. Certes, on n'était pas en mesure de se procurer un nouvel approvisionnement de l'extérieur, mais on travaillait, on produisait, du moins en partie. Ces occupations se sont terminées sans effusion de sang, sans conflit armé. Les ouvriers sont sortis des usines avec leur drapeau rouge, pensant que les occupations, même si elles étaient terminées, avaient été le premier pas vers la révolution. En réalité, ça a été le chant du cygne du mouvement révolutionnaire italien. Parce que quelques mois plus tard, en 1921, une crise internationale est survenue qui s'est répercutée sur la scène italienne. Les industriels ont commencé à licencier et les ouvriers n'ont pas été en mesure de résister. Le mouvement d'occupation de 1920, vécu par un ouvrier de l'acierie de Terni. Tant'è vero che io e lui proprio fummo quelli che portammo la bandiera della
la sezione socialista sull'acciaieria. Un paio di giorni prima la nascondemmo sotto al lettino dell'infermeria, perché l'infermiere era un parente di questo Zamberlasticca. E passammo sul pennone lì, della, quella torretta che c'è all'ingresso dell'acciaieria, con l'orologio, e la bandiera rossa la mettemmo io e Zamberla di notte, a mezzanotte. La bandiera la il cache le drapeau avant l'occupation de l'usine et il le cache dans l'infirmerie parce que l'infirmière était de la famille, pas parce que c'était une militante. Donc cette grande lutte de masse qui représente un moment épique du mouvement ouvrier italien, il la raconte à un niveau, si j'ose dire, sous le lit de l'infirmière. Un niveau personnel, fait de liens de parenté, d'amitié. Le narrateur, Remo Righetti, est l'un des grands acteurs de l'histoire ouvrière et antifasciste de Terni. C'est l'un des fondateurs du Parti communiste. Il a donc une très forte conscience politique. Pourtant, quand il raconte cette histoire, il n'y a pas de dimension idéologique. C'est simplement un événement de sa propre vie. Et puis, bien sûr, il termine son récit en disant que c'était une erreur d'arrêter l'occupation des usines. Il aurait fallu continuer et faire la révolution. Naturellement, ce n'était pas possible. Mais il y a toujours cette idée que si on n'a pas gagné, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas assez lutté. C'est très présent dans les récits sur l'occupation des usines, surtout à Terni. Pour contrer la révolution, le patronat italien fait appel aux fascistes de Benito Mussolini, des milices armées d'extrême droite formées autour d'un noyau dur d'anciens combattants. Les fascistes ont un programme simple, abolir la lutte des classes en imposant par la force la collaboration du capital et du travail. Ils arrivent au pouvoir en 1922 et détruisent aussitôt le mouvement ouvrier italien, ses organisations et sa mémoire. Mais les fascistes italiens ne sont pas seulement une milice patronale à l'ancienne. Issus de la Grande Guerre, le fascisme en a rapporté une idée neuve. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête. La mobilisation totale décrétée pendant la guerre doit être poursuivie en temps de paix. C'est l'état d'exception permanent. Le peuple tout entier doit être mobilisé pour la nation, le parti, le chef. L'état traditionnel avait le monopole de la violence. L'état fasciste y rajoute pêle-mêle la politique, l'économie, la justice, la presse, la culture, la vie associative, les sports. Il contrôle tout. C'est l'état total. Les fascistes disent aussi totalitaire. En échange, le régime offre aux ouvriers de nouveaux stades, comme celui construit à Terni en 1928, car, comme l'écrit un théoricien fasciste, l'état total, c'est le peuple devenu athlète. Quant au salaire, ils pourront augmenter aussitôt que l'Italie aura retrouvé son ancienne grandeur impériale. C'est ça la promesse que le fascisme fait au monde du travail. Nous devons penser à renforcer la nation qui est la grande prolétaire contre les démo-plutocraties que sont la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ces pays sont appelés démo-plutocraties, des fausses démocraties dans lesquelles en réalité c'est la richesse qui domine, ce sont les riches qui dominent. La grande prolétaire, l'Italie, se met en marche pour conquérir un empire, une place au soleil. Quand elle l'aura fait, tous les travailleurs italiens bénéficieront d'un vrai bien-être. Tant que les travailleurs auront des revendications salariales, quelles améliorations pourra-t-il y avoir? Les conditions de vie ne pourront pas réellement s'améliorer. Par conséquent, pas de grève, pas de conflit. Il faut travailler et contribuer tête baissée à rendre la nation puissante. Sauf
Sauf que de cette façon, on finit évidemment par servir les intérêts des patrons plutôt que ceux des travailleurs, parce qu'on privilégie la continuité du travail et l'efficience de la machine productive. Dans les années 20, les ouvriers des grandes entreprises ont un nouvel ennemi. Le management scientifique qui commence à s'imposer dans le sillage de la Première Guerre mondiale. On parle de méthode à l'américaine, ou encore de taylorisme, du nom de son inventeur, l'ingénieur américain Taylor. Comme toutes les grandes inventions, la sienne commence par une révélation. Travaillant en usine comme contremaître à la fin du XIXe siècle, Taylor découvre que l'image de l'ouvrier fier de son travail et discipliné est un mythe. Les ouvriers qui l'observent multiplient les gestes inutiles, ralentissent subrepticement les cadences, quitte à dérégler, voire saboter les machines, et se mettent d'accord entre eux pour ne pas faire plus que le strict nécessaire. Bref, ils imposent leur propre rythme de travail, quoi que l'encadrement dise ou fasse. Pour mater les ouvriers qui sont, dit-il, tirés au flanc par nature, Taylor invente une stricte séparation entre la conception, apanage des cols blancs, et l'exécution, réservée aux cols bleus, qui n'ont plus qu'à effectuer des tâches simples et répétitives, sans prétexte à flâner ou penser. Le temps dévolu à ces tâches est évalué scientifiquement. C'est la loi du chronomètre qui impose une même norme pour tous et empêche ainsi les tirs au flanc de stigmatiser les ouvriers zélés. Le bolchevique de chez Renault, un bulletin renéoté de 1924, dénonce le symbole du système AI. Le chronométreur, le chrono, un vampire qui suce le sang du travailleur. You have booked your last boot. Le taylorisme vu par un cinéaste soviétique des années 30. Mais les mêmes ouvriers qui s'insurgent contre la tyrannie du chronomètre dans les usines vont l'applaudir dans les stades où elles mesurent les exploits de leurs sportifs préférés. Leur record, un mot popularisé par les travaux de Taylor et qui signifie tout simplement enregistrement. On enregistre la performance de l'ouvrier pour mieux la dépasser. Предполагалось, что у пролетариев нервы значительно крепче. L'expérience de la chaîne dans les années 80 à l'usine Peugeot de Sochaux. Il y a des mecs en chaîne, on n'en parle jamais, qui font pratiquement un marathon par jour, en distance. On avait foutu un podomètre à un mec qui emmenait des bagnoles sur un parc. Et il n'arrêtait pas de marcher en permanence. Et avec un podomètre, on s'est aperçu qu'il avait fait 40 km dans la journée. Et il faisait ça depuis des années. Et c'est quand même un exploit sportif bientôt. Et quand tu sors de ce genre de truc, t'as pas de temps pour te remettre, si tu veux. Moi, c'est toujours ce que le problème, c'est que tu sors de chaîne, il est 10 heures, t'es fatigué, t'es pas réceptif intellectuellement, tu te fous sur un fauteuil et tu t'endors dans un fauteuil devant une télé bête. Et c'est ça le vrai danger. C'est comment que tu peux te ressortir après 8 heures de chaîne, qu'est-ce qui peut t'entraîner vers autre chose. Et ben, c'est très compliqué. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Plus la fatigue existe. Alors, on appelle ça l'aliénation, mais en même temps, il n'y a pas que ça, je veux dire. C'est qu'est-ce qu'on nous a tué dans le cerveau pour ne plus envie de
pour que l'envie de découvrir soit pas plus forte que ta fatigue à un moment donné physique. Ce qui devrait entraîner le reste devient, ben voilà, et c'est terrible de cette souffrance ouvrière, hein, je crois, de ce manque de perspective fait qu'à un moment donné, tu t'endors doucement, tu ronronnes. Tu ronronnes avec TF1, c'est ce qu'il y a de pire, hein, parce que tu ronronnes mal. Trouver la force pour autre chose. En 1926, Théo Godig, ouvrier qualifié de l'usine Krupp, fait partie de l'équipe de nuit. Il en profite pour réaliser cet autoportrait avec retardateur en infraction totale au règlement de l'usine. L'image, devenue symbole de la fierté ouvrière, paraît en première page de l'Arbeiter Photographe, le journal du mouvement des photographes travailleurs dont les adhérents se comptent par milliers dans l'Allemagne de Weimar. Comme les poètes ouvriers du 19e siècle, ces photographes amateurs s'emparent d'un outil conçu d'abord pour meubler les loisirs des classes dominantes. Ils peuvent ainsi se réapproprier leur image, mais aussi les manières de voir qui jusque-là étaient le privilège des avant-gardes artistiques. Mais c'est aussi une arme de classe qui leur permet de dénoncer le chômage, la misère, ou encore de célébrer, à leur façon, l'alliance révolutionnaire des ouvriers et des paysans. Une autre façon de regarder le travail ouvrier. En 1932, Mussolini lui-même commande ce film, Acciaio, l'acier, tourné dans la scierie de Terni. C'est un mélo qui raconte la rivalité amoureuse de deux ouvriers fascistes sur fond de métal en fusion. Le scénario est de Pirandello, la réalisation de Walter Ruttmann, une ex-star du cinéma d'avant-garde allemand. Quant aux ouvriers que l'on voit embauchés par centaines, ce sont d'authentiques ouvriers de l'usine, mais des ouvriers chômeurs, licenciés pour cause de crise économique et réengagés pour le film comme simples figurants. Le chômage de masse est le nouveau fléau des ouvriers européens. Filmé la même année 1932, d'autres vélos, d'autres ouvriers parcourant les rues de Berlin à la recherche d'un travail. Kulowampe, ventre froid, un film de Bertolt Brecht et de Zlatan Dudau. Il y a alors près de 6 millions de chômeurs dans toute l'Allemagne. Ils constituent 80% des membres du Parti communiste allemand. Mais c'est aussi parmi eux que recrute le Parti national socialiste des travailleurs allemands, le Parti nazi, tandis que les ouvriers qualifiés qui ont encore du travail soutiennent massivement le Parti social-démocrate, qui se veut avant tout légaliste. Fracturée, désespérée, la classe ouvrière allemande, qu'on disait la plus avancée d'Europe, est incapable, en 1933, d'empêcher Hitler de prendre le pouvoir. Hitler, le nouveau maître de l'Allemagne aux usines Siemens. Il se proclame le révolutionnaire le plus conservateur du monde. 40% des membres de son parti sont des ouvriers. 30 avril 1933. Des femmes préparent des banderoles pour la grande célébration nazie du lendemain. Le 1er mai, dont Hitler, maître dans l'art de brouiller les cartes, vient de faire un jour férié, le jour du travail national. Thomas Lindenberger, historien.
Il faut avoir à l'esprit que plusieurs générations d'ouvriers s'étaient battus pour ça. Depuis des générations, on descendait dans la rue pour le 1er mai. Certains ont perdu leur travail, d'autres se sont battus avec la police uniquement pour pouvoir célébrer ce jour de fête. On mettait ses habits du dimanche pour l'occasion. Et voilà qu'un nouveau régime décrète que c'est un jour de fête nationale, en l'honneur des travailleurs. Et Hitler l'a dit ensuite dans un de ses discours. Vous, travailleurs, vous êtes les Allemands les plus nobles et les plus précieux. Vous valez plus que les patrons et les chefs d'entreprise. Le revers de ce coup de maître, c'est que dès le 2 mai, tous les syndicats ont été interdits. Les membres des syndicats ont été incorporés dans le DAF, le Front allemand du travail, une organisation de masse qui rassemblait ouvriers et patrons. Cela signifiait la perte totale du pouvoir et de l'autonomie des organisations ouvrières et la confiscation de tous leurs biens. Bien sûr, le Front du travail offrait quelques compensations sociales et politiques à certains ouvriers. Mais naturellement, ils perdaient tout droit et tout pouvoir, toute possibilité de prendre part aux décisions de l'entreprise. C'était une lourde défaite. Les premiers camps de concentration ouvrent dès 1933. On y enferme par milliers communistes, sociaux-démocrates, opposants politiques. En même temps, le pouvoir nazi courtise les travailleurs dont il ne cesse d'avoir peur. Il lance le programme « Beauté du travail » censé moderniser les locaux des entreprises pour créer ce que sa propagande appelle « le bonheur à l'établi ». On améliore les sanitaires, les cantines, les lieux de détente. Plus populaire encore, la force par la joie. Un programme de loisirs ouvriers qui invente le tourisme de masse en organisant de grandes croisières qui permettent à des milliers de travailleurs allemands de visiter les ports d'Europe. Les travailleurs touristes sont chaperonnés par des agents de la Gestapo, dont le travail est facilité par le fait que le paquebot est un milieu confiné comme l'usine ou le camp. Le quotidien de la répression, de la surveillance, de la délation sur les lieux de travail et les quelques gestes isolés de résistance n'ont laissé aucune image. Sauf une, prise presque par hasard pendant une visite d'Hitler dans le port d'Hambourg en 1936. Au milieu de la foule de centaines d'ouvriers qui font le salut nazi, il en est un qui garde obstinément les bras croisés. Un homme seul, incarnant la résistance ouvrière au sein du désastre collectif. We'll be right back.